Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Rendez-vous quotidien, rendez-vous quotidien. Je vois qu'il y a des gens qui sont là tout le temps et ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme annoncé, on va terminer la modélisation de notre caserne niveau 4 et on va faire en sorte d'aller taquiner un petit peu le centre d'entraînement des archers. On fera probablement le T1 avec les éléments dont on dispose déjà. Et si j'ai le temps, je modéliserai des flèches, un arc, peut-être même un carquois, et on verra bien si on arrive à faire quelque chose de convaincant. Voilà. Alors, histoire d'entrer rapidement dans le vif du sujet, alors attendez, bougez pas, on va... Hop, on modélise une caserne. Ah oui, c'est Wisebot qui me dit quelque chose. Donc on va aller directement dans Blender. Alors donnez-moi une petite seconde, le temps de vous remettre une petite musique d'ambiance. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu notre fusil d'épaule. D'habitude, on fait surtout du Zelda, etc. Là, ce que l'on va faire, c'est que il y a toute la musique de. Alors, attendez, non, non, je cherche. La musique du compositeur de Heroes Might and Magic. Alors, attendez, j'avais tout un truc qui durait plusieurs heures, donc c'est parfait à mettre, comme ça j'ai pas besoin de me soucier de ça. Et du coup, non, je sais que c'était là. Voilà, Maestro Paul Anthony Romero. Voilà, donc on va se mettre du Paul Anthony Romero. Ça va durer 2 bonnes heures. Salut John, ça va? On va mettre du Heroes Might and Magic vraiment en sourdine. Voilà. Pas grand-chose. Ça démarre tout doucement. Le rendez-vous de 14h. Eh oui. Ouais, ça va nickel. Ça va nickel. On va. Ah bah, prêt pour Blender. Toujours prêt pour Blender. On va blender à mort. On va blender à mort. On va terminer la caserne T4. Et on va entamer le T1 du centre d'entraînement des archers. Jeudi, on enchaînera dessus. Et vendredi, cette fois, on fera vraiment un stream code. Vu qu'on commencera déjà à avoir des bâtiments, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra en place le fait qu'un utilisateur puisse acquérir des bâtiments et les faire évoluer, tout simplement. Donc, c'est déjà des fonctionnalités qui sont prêtes dans le moteur Paradox. Il faudra juste les relier à un utilisateur. J'en profiterai du coup pour vous montrer comment on fait pour avoir. Commencer à l'intérieur. Oh là! Et bon, Nabil, salut. Et puis, le petit rendez-vous de 14h, c'est bien, c'est bien. Il y a de plus en plus de, y a de plus en plus de gens qui viennent à 14h, qui sont là pour. Qui sont là au rapport, au rendez-vous, comme on dit, je ne sais pas. Enfin bref, vous êtes là. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous de suivre mes bêtises. Alors attendez. Je cherche. Ça voilà, parce que la musique, on ne l'entendait pas du tout. Voilà. Voilà. Là, vous devez l'entendre, mais que un tout petit peu. Moi, je vais me la mettre à peu près au même niveau ici. Oh oui, c'est vraiment léger. C'est de la bonne petite musique sympa. Pour info, c'est du Paul Anthony Romero, donc c'est le compositeur de Heroes Might and Magic 2. Et c'est vachement bien. Donc là, la BO que vous écoutez, c'est ça. Donc si vous entendez. Des voix un petit peu, comment dire, des chants un peu religieux en arrière-plan, c'est exactement ce que vous êtes en train. Enfin, c'est normal. Voilà. Bon. Et sinon, alors, vous faites quoi de votre journée? Mis à part, regardez ce que je fais. Qui fait quoi? On va discuter encore un peu jusqu'à 14h10, puis ensuite, on turbine. Dites-moi un petit peu, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites? John, Nabil. Qu'est-ce que vous faites? Pompé d'op. Ça travaille? Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Vous avez le droit de regarder des streams entre guillemets au taf, personne ne vous fait chier et tout. Dans un sens, ça les regarde pas ce que vous faites pendant que vous codez. Hein. Ou pendant que vous faites autre chose. Travaille sur du PHP. C'est bien, c'est bien. Il faut coder. Il faut coder, il faut coder. Je suis entêté, donc je me mets en. Donc je mets en fond sur un deuxième écran de télétravail. Je débug des lambda functions en Node.js. Ah! Tu fais des lambda functions sur quel. Tu fais des lambda functions avec quel, entre guillemets, quel support. Enfin, tu les fais dans un cloud particulier, Azure, Amazon ou autre. Ou alors, c'est juste des lambda functions AWS. D'accord. Ok. Et ça va? Ça se passe bien?
Ah, la musique, elle augmente d'un coup. Je vais essayer de la gérer. Salut Warmadon! Il va devenir habitué, Warmadon. Il est arrivé hier, c'est déjà un habitué. Bravo à toi. Bravo à toi et merci beaucoup, surtout. J'écoute plus que ce que je ne regarde et de temps en temps, je jette un œil. D'accord. Ben, c'est bien, c'est bien. De toute façon, c'est plus ou moins la même façon dont tout le monde consomme Twitch. Hein. C'est. Twitch, en vérité, moi-même, je le consomme pas forcément en lurk, mais plus entre guillemets comme un truc que je regarde ou que j'utilise un peu comme ambiance sonore la plupart du temps. Habitué, c'est le cas de le dire. Référence pour Azure. N'hésitez pas à en discuter entre vous dans le chat hein, pendant que moi je taffe, pendant que moi je fais mes petits trucs et tout. Hein. Le chat il est là, entre guillemets, c'est pas uniquement pour discuter avec moi, c'est aussi pour pouvoir discuter entre vous. Hein. Donc amusez-vous, appropriez-vous l'espace. C'est pas plus le mien que le vôtre. Hein, donc. Faites-vous plaisir. Moi, je suis déjà content qu'il y ait des gens qui regardent ce que je fais, etc. Pouvoir en discuter avec vous, ça fait plaisir. Donc voilà. Allez, on y retourne. Alors, je vais faire en sorte de vous transitionner ici. Donc là, Blender est en train de s'allumer. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les quelques inspi que j'ai chopés pour pour le T4. Alors en fait, pour le T4, j'hésite. J'hésite, de toute façon là il va y avoir un petit mur comme ça, avec donc des éléments qui vont faire en sorte. Donc ça ce sera pour virer les gros pics en bois qu'on a déjà fait les autres jours. Et donc faire des espèces de petits renflements comme ici, comme ceci en fait. Et donc du coup montrer qu'il y a eu un peu plus de budget, mais peut-être le faire dans une couleur de pierre légèrement différente, un peu comme celui-ci. Celui-ci je trouve qu'il est vraiment pas mal en vérité comme inspiration. Ah, une arme à feu en low poly et t'as la flemme de terminer. Ah bah, c'est triste, hein. Tu sais quoi? Fais des lances, des épées, des arcs, etc. Il y a peut-être des gens que ça intéressera. Wink. Il y a peut-être des gens que ça intéressera. Je trouve que cet inspi, en tout cas, pour le T4, est vraiment pas mal. Je dis pas que je vais refaire exactement ça. Je dis juste qu'en fait, comme moi, en fait, il y a une base avec une pierre plutôt claire. Et en fait, je me dis que faire en sorte d'avoir un petit muret avec donc les créneaux, comme on a vu, en pierre plus sombre à la place des puits en bois, faire un bâtiment avec un toit en ardoise comme ça, ça peut être sympa. En plus, c'est pas très difficile à créer. Et je peux donc reprendre la pierre claire à l'intérieur, en fait, et légèrement l'assombrir si je veux, et faire une porte en bois. Et ensuite, bah, je mettrai des râteliers, des camps d'entraînement, etc. Le but, en fait, c'est d'avoir un bâtiment un peu plus joli. Première étape, c'est le bâtiment un peu plus joli. Et ensuite, je verrai au niveau de la composition de scène ce qu'il me manque pour mettre un peu plus de matériel, etc. Les bannières m'ont été gracieusement offertes par Warmadon, donc merci à lui. Je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Okidoki. Donc aujourd'hui, on abandonne la tente. La tente dans le T4 n'a plus sa place. Dommage pour elle. C'était une jolie tente. Mais. C'est pas comme si c'était l'alpha et l'oméga non plus. Donc Army Tente 2, on y va. Donc on la retire. Et notre petite. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire donc des barrières supplémentaires. Donc on va commencer par les barrières. On va commencer donc par les barrières supplémentaires. Enfin les petits. Le petit muret en fait en plus. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre donc la même chose, hein, des briques, en fait, comme on a fait là. Et on va les disposer, mais cette fois on va faire des petits créneaux. Et je pense qu'on va pas les faire trop haut non plus, en vérité. Ça sert à rien de les faire trop haut. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est les faire d'une couleur légèrement différente. Et faire ensuite un bâtiment avec un toit derrière. Ça fera largement le taf. Alors, au niveau, donc, stone. En vérité, stone, je pourrais le mettre dans les barrières, mais c'est la base, en vérité. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est vérifier si en dupliquant et en changeant la couleur, on va pouvoir vérifier tout de suite si notre idée est plutôt bonne. En dupliquant tous les éléments qui sont là, en les prenant, en les montant légèrement. Pas forcément de trop, parce que ça risque d'être un peu trop, comment dire, trop violent. Mais ce que l'on peut faire, c'est faire en sorte de se dire que. Tous ces éléments-là, on va leur mettre une nouvelle. Donc, on va mettre Stone 2. Plus, je vais l'orthographier le premier. Donc, Stone 3.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pierre vraiment foncée cette fois. Voilà, juste pour que ce soit le cas. Et ensuite, on va... Alors attendez, hop. On va les regrouper ensemble puisque c'est juste pour un test, donc on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, on les regroupe, voilà. Et on applique... Et on applique la texture à ce truc-là. Alors, allez savoir pourquoi ça refuse de s'appliquer. Ouais, je sais pas pourquoi on refuse de me laisser l'appliquer. Ouais, je veux juste appliquer une texture, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça sur Blender. Ouais, copie datapass, etc. Opaque, ok. Bon, je m'en fiche un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le virer. Alors, on va le dégager. Voilà. On va tout simplement créer une nouvelle texture. Voilà. Pareil. Je vais la mettre dans une couleur bien dégueulasse. Histoire de regarder vraiment ce que je fais. Voilà. Hop. On va mettre moins de métal. Alors, attendez, est-ce que la musique est peut-être un peu forte? Boum. Voilà, je vais peut-être la baisser un peu. Voilà. Et. La roughness et la specular, c'est parti. On y va. Et donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire qu'on applique. Et c'est ça que je comprends pas. C'est que maintenant, il ne me le considère plus comme un truc entier. Alors que si je fais ça, ça, voilà. Ok. J'ai été obligé de passer par l'edit mode. Bon, la couleur est dégueulasse. C'est pas le but, hein, bien sûr. Hein. Hop, voilà. Ce que l'on veut, c'est une couleur plus sombre. Et si on faisait ça, en vérité, si on se contentait de virer en fait un truc sur deux ici, ça pourrait éventuellement le faire. On va voir. Ça se tente. Si on arrive à faire quelque chose de rapide et de propre, moi je dis que ça se tente. Voilà, hop, la topologie, elle va faire un peu la gueule, mais... Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Boum. Alors, hop, voilà, j'ai viré le truc du dessus. C'était pas ce que je voulais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça. Et on va tous les séparer, mais par loose parts, en fait. Donc on va tout sélectionner, et on va faire un P by loose parts, histoire de faire en sorte d'avoir chaque pièce totalement séparée. Donc là, je les ai réassignées comme je voulais, au niveau des couleurs, donc c'est plutôt OK. Alors le truc, c'est que, est-ce que le fait que les trucs soient plus, comment dire, de taille équivalente va être un problème? On va voir ça tout de suite. Parce qu'au pire, je peux le refaire de taille. Je peux le refaire de taille équivalente. Hein. C'est vraiment pas un souci. Il faut juste que je vois ce que ça donne. En réalité, le fait que ce soit pas régulier, ça m'énerve. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me gonfle. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va diminuer ça. On va vraiment. En fait, le dernier étage, lui, va être régulier. Parce que, bah. Et on va mettre un set to origin. En fait, on va même tous les utiliser. Boum. Je vais tous les mettre au centre de leur origine. Boum. Voilà. Set to origin, center of mass. Voilà. Hop. D'accord, ouais. C'est vraiment. En vérité, je pourrais même le virer, lui. Voilà, il y en avait un en trop. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce bloc-là comme élément de base. Hop, alors attendez. Cette origine, center of mass. Tac. Voilà, je vais le coller là. Je vais virer tous ces petits copains qui sont sur la même ligne.
Lui, je vais lui appliquer un modifier de type array. Voilà, qui va le faire évoluer non pas sur l'axe des x, mais sur l'axe des y. Ok, donc ça fait 1 de distance à chaque fois. Et ben on va mettre 2. Voilà. Et on va combler jusqu'au bout. Voilà, en vérité, c'est pas dégueu. En tout cas, c'est plus régulier que. C'est plus régulier et c'est déjà pas si mal. Vendu. Ok, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est que je vais virer tout cela. Voilà. Je vais peut-être même virer celui-ci. Tout à fait. Lui, en vérité, je pourrais le dupliquer là-bas. Donc, pam, 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 pam. Voilà. Voilà. Ce que je peux faire, voilà, c'est dupliquer cette chose-là. Donc, hop. Le mettre juste ici. Voilà. Ensuite, maintenant, il va falloir. Alors, je vais essayer de cacher les bannières, en fait. Les bannières, où est-ce qu'elles se situent? Dans les accessoires, normalement. Banner, banner. Voilà. Et je vais cacher les épées. Parce qu'en fait, je les avais même pas mis. J'avais même pas transposé les épées des bannières dans les bannières, ce qui est pas bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup dégager. Dégager ce qu'il y a là. Voilà, ici, il y a un problème. Donc on va. On va le mettre mieux ici. Voilà. Ça. Je vais dégager les lights aussi. Boum. Et je vais repasser en mode modélisation. Ce qui sera quand même moins moche. Très beau comme référence. Oui, la référence était vraiment très jolie, je trouve. Donc, pour ça, je vais l'utiliser. Et puis, à voir ce que ça donne. En vérité, je peux même dégager ce qui se trouve là. Boum. Je vais prendre tout ce qui se trouve là. Et je vais le décaler là. Voilà. Ça dépasse pas. Voilà, on va essayer de faire un truc propre qui fait en sorte d'avoir une entrée à peu près propre basée sur un truc un peu irrégulier. C'est pas bien grave que ce soit un peu irrégulier en bas parce que c'est un muret. Donc, ce que l'on veut en revanche, c'est ajouter un truc ici. Voilà. Ouais. Ce qu'il faudrait en vérité, c'est que même que ce soit très légèrement. Alors là, va falloir doser. Ce qu'il faut, c'est que ce soit régulier. De façon à ce que. Alors là, il y a un mec qui parle dans la musique. Voilà. On va juste mettre de la. Voilà. Voilà. Et on y va, hein. On va encore augmenter très légèrement pour que l'écart régulier arrive au même endroit. Donc on va mettre 0,1 peut-être. Ah, c'est peut-être un peu too much. C'est peut-être même pas encore suffisamment en vérité. Ah. 0,15. Ouais. Franchement, pas dégueu, mais je pense qu'on peut même aller à 2,02. Voilà. Pas mal. Au moins, on connaît vraiment l'espace à prendre de l'autre côté. Donc, pareil ici, un 2,02. Et du coup, il en faut un de plus. Voilà. Super. Bah, maintenant, il va falloir que j'en prenne un. Là. Voilà. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que il y ait une espèce de. Alors. Hop, on va non pas le mettre ici. On va le mettre à 2. 2. Voilà. Alors. C'est là où ça va être quelque chose.
Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc en mettre moins. Et on va faire en sorte que les deux soient alignés, ceux qui sont là. Comme ça, après, je pourrais décaler d'autant. Ou même juste virer ceux qui sont en surnombre. Alors, ben, on va partir sur un 2-0-2. Non, ça ne pouvait pas être aussi clean. Hein. C'est pas grave, la distance n'est pas exactement la même. Ok, donc ça va être un 2-0-3. De 35 même. Ok, 2-35, c'est parfait, ça marche. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire en sorte. On va du coup les remettre. Alors, je vais. Pour lui, je vais. Alors, par contre, où est-ce que je suis? Parce que quand je suis là-dedans, je les ai ajoutés, mais je les ai dans Stonerave 2. Hein. Oui, voilà, je suis toujours bien dans Stonerave 2, et ça, c'est une bonne chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le dupliquer juste pour pouvoir bouger celui-ci tout pile au même endroit. Donc, je vais me placer au-dessus, histoire de m'en servir comme référence. Voilà. Alors, ouais, voilà, il faut que ce soit vraiment pixel. Voilà. Maintenant, j'en mets deux de moins à lui. 1, 2, voilà, parfait. Je vire celui-là. Je pose celui qui est là. Voilà, au même endroit que le reste. C'est régulier. C'est propre et régulier. Si on remet le truc, on remet les lights parce que c'est quand même diablement moche sans les lumières. Ouais, on peut voir, entre guillemets, qu'il y a un peu plus de. Salut Gomitarka, bah oui, ça va et toi? Ça va plutôt bien, merci. Hein. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis en train de faire, entre guillemets, un peu mieux, enfin, d'enrichir mon T4. Zoup. Voilà. Boum. Donc on essaye de faire quelque chose de qui soit pas trop cheap en partant donc d'une base qui en fait ici honnêtement ça pourrait bien le faire. Hein. On pourrait peut-être pas voir le Metz ici, mais c'est pas bien grave le Metz en vérité, on pourra le virer au profit d'autre chose en vérité. Le bâtiment en lui-même, on va le mettre au fond. La petite caserne, on va la mettre au fond. Et on mettra d'autres éléments ici. Donc ce que l'on va faire, je pense. Hein. Je pense vraiment que ce que l'on va faire, c'est au niveau de la ref. Boum. Boum. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est virer le dernier étage qui est là, parce que sinon, on sera trop haut. Donc, boum. On va se mettre comme ça. On va cacher. Ou est-ce qu'on va cacher quoi que ce soit? Zut. On va cacher les lumières. Hop. Donc on va tout virer au niveau des. On va tout virer. Voilà. On va virer le dernier étage que l'on a dupliqué. Tu reprends ton lurk? Ah écoute. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu travailles, c'est ça? Tu. Alors attends, parce que peut-être que tu avais répondu juste au-dessus. Tac-tac-tac. Non, tu faisais partie de ceux qui m'avaient pas dit ce qu'ils faisaient. Sur quoi tu bosses? N'oubliez pas de me le dire hein, si la musique est trop forte par rapport à la voix, tout ça. Ça. C'est bon maintenant. Vous connaissez le système. Voilà. Donc Stonehearth 1, Stonehearth 2. Pas mal. Honnêtement, maintenant j'ai juste à en poser un qui soit là de chaque côté. Et ça va plutôt le faire en vérité. Après, il faudra peut-être que je change un petit peu la couleur, mais en soi. Quoique, en vérité, une fois éclairé, honnêtement, ça rend plutôt pas mal. Hein. Ça le fait plutôt bien. Hein.
Ça le fait plutôt bien. En vérité, je crois qu'à la place du mess ici, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? J'allais dire, j'allais mettre une bannière parce que les bannières sont quand même plus hautes. Je peux mettre deux bannières cette fois qui sont devant, enfin à l'intérieur. Mais en vérité, devant, elles sont pas mal aussi quand elles sont devant. C'est pas si mal. Donc du coup, ce sera à voir. Aujourd'hui, de toute façon, on termine le T4. Voilà, ça c'est une certitude, on termine le T4. On veut quelque chose qui fasse vraiment sérieux en termes d'entraînement, etc. On veut une belle caserne. Et on mettra un petit drapeau, le même drapeau que sur, le même drapeau que sur la tente au sommet du petit bâtiment, histoire de montrer bah, qu'on est vraiment sur un bâtiment militaire. Ok, donc là, on va juste prendre l'élément en question. Donc, ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire. Alors, attendez, je vais tout cacher. Je vais tout cacher. Boum. Et je vais tout sélectionner. Ah bah tiens, c'est pas plus mal. Il manquait quelques-uns que j'avais pas supprimés. Hop, voilà. Il y avait quelques-uns que je n'avais pas supprimés. Et qui m'auraient donc embêté au rendu, ça aurait créé des artefacts à la con. Alors, boum. Boum, 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 boum. Ok, donc ça a bien tout sélectionné. Ah, il y a un artefact bizarre là. Bon, il doit y avoir un peu des artefacts bizarres un peu partout. Ouais, d'accord, oui, ce sont des. Ce sont, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon fusionner les géométries. Donc on va essayer de. Hop, donc on va faire un wireframe. On va tout sélectionner. Donc j'ai sélectionné tous les trucs. Je les join. Voilà. Boum. Et on va tout resélectionner en solide. Voilà. Voilà. Je vais faire en sorte je vais faire en sorte de mettre un petit truc comme ça à chaque extrémité. Donc hop. Je vais dupliquer. Voilà. Cette fois, à celui-ci, je lui enlève son array. Et c'est bien pareil pour son petit copain juste à côté. Attendez, hop. Même quand on est en vue de face, on a du mal à voir ce qu'on fait. Voilà. Tac. Boum. Peut-être que je ne devrais pas les mettre juste au bord. Peut-être qu'ici ça suffit. Non, au bord ce serait bien. Ça permettrait de fermer vraiment proprement le truc. C'est qu'on voit bien qu'on n'est pas pixel. Hein. Voilà, on le voit bien qu'on n'est pas au pixel près. Et finalement, c'est pas si mal. Hein. Ça donnera peut-être un aspect un peu plus authentique de toute façon. J'ai pas vocation à me pourrir la vie. Donc. Stonehearth, ça dégage, je n'en veux pas. Ça, c'est OK. Les accessoires. Alors, la tente, ouais. En fait, cette vieille tente, je vais tout simplement la virer, on n'en a plus besoin. OK, c'est parfait. Maintenant, on enregistre. Donc, je pense hein, qu'au niveau du truc avec les créneaux, entre guillemets, c'est plutôt pas mal. On a réussi à avoir quelque chose qui fait un peu plus fortifié, entre guillemets.
Donc, pour rappel, hein, quand on prend ça et qu'on met à la place donc les barrières, on va mettre les barrières droites, barrières qui sont droites. Boum. Boum. Et boum. C'est très joli comme ça, entre guillemets, hein, ça fait plus de clarté dans l'image et tout. Mais en soi, quand on met quand on met ce truc-là en place, bah ça fait tout de suite, on a mis un peu plus de budget, quoi. Il y a de la pierre un peu partout, quoi. Donc c'est pas si mal. On va boire un petit coup d'eau. Puis ensuite, on va faire notre bâtiment. Alors, le bâtiment, on va se baser sur le truc que j'ai montré tout à l'heure. Alors, le bâtiment. En fait, on va commencer par le toit. On va commencer par le toit. Le toit, en fait, je le vois comme un grand plane sur lequel je mets un inset. Je crée donc des edges. En fait, en réalité, ça fait clac-clac. Je suis en train de regarder. Parce qu'en fait. On va voir, mais en vérité, on va voir. En fait, le bâtiment, je suis même presque tenté de le faire à part, en fait. Pas forcément de le mettre tout de suite ici. Mais en soi, je pourrais le commencer en me mettant un peu plus loin. Je pourrais commencer. Ouais, je pourrais commencer en me mettant un peu plus loin. Parce que là, j'ai 1 milliard de trucs à prendre en compte. En vérité, je l'enregistre. Je vais faire un New General. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire ceci. Ensuite, on prend donc une sélection donc par face. Donc ici, je sélectionne par le biais d'une face. D'abord, je fais en sorte de l'étendre, enfin, l'étendre comme ceci. Ça fera la largeur de mon bâtiment. Je fais en sorte de sélectionner la face, de faire un inset. Voilà, j'étais plus très sûr s'il allait me mettre les trucs ici. Donc, hop, 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 voilà. Donc ça, je le remonte. Voilà, donc ça me donne la forme de mon toit. Et si on regarde bien en fait la forme du truc ici, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un toit avec une petite, entre guillemets, un petit renfoncement, puis qui va légèrement revenir en fait vers l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire ici. Boum. En faisant en sorte. Très léger en vérité. Hein. Pas de grand chose, mais voilà. Et ça sera la base de mon toit. Et si on regarde bien la façon dont c'est foutu, il y a donc des poutres sur chaque. Enfin, des poutres qui constituent la charpente sur les côtés. Et ensuite des tuiles. Donc ça, c'est pas le truc le plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça par contre. Ça va vraiment se diminuer là. Vraiment s'augmenter là. Voilà. On va encore diminuer un peu son truc. On va faire un extrude along normals ici. Alors même mieux qu'un extrude along normals, en fait, ce qu'on va faire, c'est que. On va dupliquer la face. Voilà. Et la face, on va la extruder à longue normale. Voilà. Ce qui fera donc la base de notre charpente. On la fait légèrement détacher du reste. Ce que je peux faire du coup, c'est la détacher complètement de sa copine. Hop, attendez, hop, wireframe. Hop, on va faire un P sélection. Voilà. Du coup, ce n'est plus le même objet. Et c'est plutôt utile. Donc, on a notre poutre, d'accord. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre une arête qui est là. On va prendre les arêtes qui sont là, on va les dupliquer, on va les remonter, on va les. Et on va faire en sorte de leur créer des. Des biseaux. Alors,
Je ne sais pas si ce suffira avec les edges, pour être honnête. On va tester avec un edge. Voilà. Est-ce que je peux bisauter un edge comme ça? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas bisauter un edge comme ça. Par contre. Donc là, ok, je casse tout. Je duplique. Est-ce que je peux l'extruder, entre guillemets, comme ceci? Non, ça va pas le faire. Alors, je sais comment je vais faire. Voilà. Ok, ça va fonctionner comme ça. Donc, on va... Boum. 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 On va... Voilà. Très légèrement faire ça. Ensuite, on duplique les choses qui sont là. On va les coller à notre poutre là-haut. Voilà. On fait en sorte d'aller donc les sélectionner, de les sortir de notre objet qui correspond à notre toit. Donc P by selection. Voilà. Boom. On remet ça là-dedans. On fait un extrude along normals. Histoire que ce soit au moins aussi. Au moins aussi épais. Alors attendez, en fait, voilà, on a. Ouais, si, c'est bon pourtant. Hop. C'est pas ça que je voulais comme ça. Ok. Extrude along normals. Extrude along normals, j'ai dit. Comme ça que je le veux. Pourquoi c'est mal orienté? Bon, au pire du pire, je suis en train de me prendre la tête pour quelque chose. Mais c'est parce que, d'accord, oui, ils sont pas orientés comme je le veux. Ah! Voilà, oui, c'est pas juste en hauteur comme ça. Ah, bon, c'est ma faute. Donc on va tout simplement dégager ce truc-là. Donc non, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc légèrement ici. Comme des espèces de baguettes, en fait. Voilà. Ce qu'on peut faire du coup maintenant, c'est sélectionner les faces qui sont là. Ok, donc on peut sélectionner donc les faces qui sont intéressantes ici. Alors les faces qui sont intéressantes, qui nous intéressent nous, ce sont celles-ci, celles-ci. Celle-ci et celle-ci. On duplique. Zut, on duplique. On fait en sorte d'exporter là-dessus. On fait un P by selection. On retourne dedans. Voilà. On sélectionne tout. On extrude. Uniquement donc sur l'axe des Z pour faire des espèces donc de baguettes. Voilà, qui correspondent un petit peu au truc qui nous intéresse. On prend ça et on va l'aligner donc avec la poutre. Voilà. Ouais, est-ce que c'est aligné? Bif bof. C'est bif bof aligné. C'est peut-être même un peu trop grand en vérité. Ouais, c'est un peu trop. Boum. 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 C'était peut-être un peu trop violent. Voilà.
Là, on est bien là. Ok. Donc ça, ce sera donc la charpente. Alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être faire en sorte que le bout de cette charpente, voilà, soit pas trop, ce soit pas un problème en fait ici. Voilà, pas l'impression que soit super aligné. Ok, d'accord. Voilà, non, ok, d'accord. Bon, là pour l'instant, en vérité, si je les aligne comme ça et que je me démerde en fait à créer une quelque chose qui va venir gonfler, enfin sortir les coins, hop, ce qu'on peut faire, c'est se dire que les deux sont fusionnés. C'est pas grave si un petit machin qui marche pas ici. Moi pour l'instant, ça me dérange pas trop. Je vais donc baisser tout ça. Et je vais avoir donc ma charpente qui est là. Ok, si on prend vraiment notre référence, boum, boum, ici, ça va. Il faut juste que je fasse des tuiles maintenant. Donc, une tuile, ça peut être un truc aussi bête que un cube dont on diminue la taille, qui est là. On va tout simplement en fait, donc si on regarde bien, clac clac clac, donc faut les aligner et les décaler légèrement à chaque fois. D'accord. Donc on va faire on va faire tout ce qu'il faut. On va en faire un grand machin. Alors, hop. On va donc lui diminuer vraiment sa largeur. Peut-être un peu trop violent encore pour une tuile. Voilà. Est-ce qu'elles ont une forme particulière? Bof, non, elles sont plutôt. Elles sont pas réellement carrées, elles sont un peu plus rectangulaires. Donc on va essayer juste de les agrandir, voilà, un tout petit peu, histoire que ça fasse tuile et pas vieux carré. Ok, alors. Ce que l'on va faire, c'est que je vais créer donc caserne.blend. Et j'ai pas encore de bâtiment. Si, voilà. Donc non, là, ce sera Barracks. C'est un baraquement. Donc baraque. Save Blender File. Ok. Alors, il y a toute une façon de faire, mais en vérité, vu que le toit n'est pas courbé, j'ai pas forcément besoin de faire un snap. Donc, je vais juste aligner en fait proprement cette chose-là. Je vais aligner proprement ça ici. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite si elle rentre bien là. Okay. Voilà. Essayer de l'aligner comme ça. Ouais, ça le fait. Ça le fait. Boum. Et je vais faire en sorte en fait de donner le plus possible d'éléments comme ça. Donc je vais encore une fois faire un array. Donc modifier array. On y va. Donc c'est sur l'axe Y, d'accord. Hop, l'axe des îles sont fait rien pour l'instant. Je vais. Boum. Comme ça parce qu'il y a une légère il y a un léger décalage. On va essayer d'en mettre le plus possible comme ça. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça arrive au bout, mais en soi, si ça le fait pas, c'est pas non plus super super grave, hein. Voilà. Voilà. Okay. Voilà, et ensuite bah, on appliquera donc tout ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dupliquer sur l'axe des Z. Voilà,
Alors, le truc, c'est qu'il faudrait que ce soit légèrement en arrière. Hop, X. Juste de quoi le glisser légèrement dessous. Voilà, parce que ce sont des tuiles. Alors, il faut pas non plus que ce soit trop dessous. Voilà. Et il faut aussi que du coup ce soit décalé. Parce que c'est le concept de la tuile. Hein, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler comme ça. Et on va en rajouter un comme ça. Voilà. Ok. Donc là, ça peut le faire en vérité. Il suffit donc de dupliquer tout ça. Boum. Je vais le dupliquer là. Je vais le décaler légèrement en arrière. J'ai dit en arrière. Le décaler légèrement comme ça, voilà, pour qu'il y ait un petit truc. Voilà. Et on va remettre une couche à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, on a ici, ici. Alors ça va peut-être faire un peu épais, entre guillemets. Mais en vérité, une fois qu'on assemble tout, qu'on applique la rotation, qu'on les découpe par loose parts, ça doit être superposé dans l'autre sens. Ben non, puisque quand tu fais des tuiles, tu pars du haut du toit. Tu pars pas du bas du tout. Attends. On va vérifier, mais. Non, c'est bien ce que je me disais, tu vois. Les éléments qui sont au-dessus passent par-dessus, qui passent par-dessus, qui passent par-dessus, qui passent par-dessus, qui passent par-dessus. Plus t'es bas, plus t'es dans la couche d'en dessous. Et là. Ah ben oui. Oui, plus t'es bas, plus t'es dans la couche d'en dessous. GG. Oui, il passe pas par-dessus, oui, il passe en dessous. Et donc, du coup, en effet, c'est l'inverse. Lutte. Eh ben, tu sais quoi, je retournerai le machin. Voilà. Oui, c'est le plus l'eau s'infiltre. Bah oui. Du coup, là, j'ai fait l'inverse, oui. 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 Bon, alors, attends, bah du coup, on va décaler tout ça, hein. Pac, 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 pac. Boum. Boum. Ouais, non, mais c'est le genre de détail, tu vas voir, c'est le genre de détail qui se voit. Donc, t'as très bien fait de me le préciser. Voilà. Donc oui. Et donc, est-ce que je vais avoir besoin? La vraie question, c'est est-ce que je vais avoir besoin? Oui, je vais avoir besoin d'un étage supplémentaire. Hein. Donc, du coup, ici, c'est cet étage-là qu'il va falloir donc superposer ici aussi. Le ramener, du coup, là. Hop. Hop, hop. Voilà. Donc là, on a. Alors, on va nommer. Roof. Body. Là, ici, on va nommer. Donc. Charpente. Charpente 2. Donc. Tile 1. Tile 2, tiles 2, tiles 3, tiles 4, et enfin tiles 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc regrouper toutes nos tuiles. On va les joindre. Zut. Alors non, ce qu'il faut d'abord, c'est appliquer les arrays. On va d'abord donc du coup appliquer.
Array, appliquer. Array, appliquer. Array. Appliquer encore l'array. Appliquer encore l'array. On va tout regrouper. Tout joindre. On va appliquer donc all transforms. On va faire un set origin à center of a mass. Voilà. On fait en sorte de revenir sur le côté. On fait une rotation donc sur l'axe des Y. Voilà. Et on va adapter notre truc à l'angle du toit. Donc du coup, sur l'axe. Zut. Rotation sur l'axe des X. Zut. J'ai dit non. Rotation du coup sur l'axe des Y. Ah, ça aurait bien mérité des tuiles en plus. C'est pas grave, je vais juste baisser un tout petit peu mon toit parce que sinon ça va vraiment être chiant à adapter. Voilà, donc on va se baser comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Ah, je vais baisser un tout petit peu le toit. Hein. Parce que là, sinon, ça va être pénible, cette affaire. Donc, boum. Ça... Alors, le rooftop. Le rooftop. On va le baisser un petit peu, parce que là, sinon, c'est... Voilà, on va l'aligner un peu là. Il faut que je garde en plus un peu de marge pour ma poutre. Voilà. Dire que c'est là. Voilà. Donc ici, maintenant, on a tous les vertices qui sont là. On va sélectionner donc Z wireframe, sélectionner les vertices qui sont là, on va donc les aligner ici. Voilà, solide. On va donc reprendre notre et on va donc reprendre nos éléments qui sont là. On va rotation sur l'axe des Y légèrement plus costaud de là. Là. Franchement, c'est loin d'être dégueu. C'est loin d'être dégueu. Peut-être qu'il faut juste faire en sorte de remonter un petit peu le bas ici. Hop, histoire d'adapter, parce que là, sinon, c'est pas possible. Hop. Je vais d'abord remonter ça. Les vertices qui sont là. On va les remonter au bas. On va les remonter pour les aligner un peu au bas. Tac. Et de toute façon, après, je vais virer les tuiles en trop. Et donc, du coup, boum, boum, voilà. Alors, on va remonter tout ce qui est là. On va le remonter de façon à ce que ça s'aligne avec le bas. Ah, j'ai peut-être un peu trop... Maintenant, ça va être ça qu'il va falloir légèrement encore décaler pour qu'on le voit bien. Voilà. Et il faut virer donc les tuiles qui sont en trop. Dupliquer de l'autre côté, faire la même chose un petit peu là. Et honnêtement, ça devrait...
Ça devrait pouvoir le faire. Et ensuite, on peaufinera un peu le détail. Donc, ce truc-là, on va tout sélectionner. On va faire un P by loose parts. Voilà. On va virer les tuiles en trop. Parce que, bah, il y en a pas mal quand même. Et on va retailler celles qui sont à cheval. Voilà. Alors. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Donc, en vérité, hop, j'aligne juste ce côté-là avec ce côté-là. Alors, on peut se dire que je vais la couper, elle. Voilà. Même en fait, je peux. Tout simplement, si je fais un align ici, voilà, que je sélectionne ça, que je l'envoie là. Ça se. Non, 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 c'était pas ça que je voulais faire. Donc, hop, hop, va refaire, hop, 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 voilà. On va sélectionner donc les deux points qui sont là. Voilà, ça se verra pas. C'est comme si on avait coupé. C'est comme si on avait coupé en fait le truc. Alors, je vais donc sélectionner cette face-là, la décaler légèrement comme ça. En vérité, même si je pouvais décaler légèrement tout comme ça. Alors attendez. On va juste prendre. On va juste prendre cette face-là. Uniquement. On va la décaler comme ça, histoire de bien la cacher. Et celle-ci, on va l'aligner. Oh, celle-ci, ça devrait être bon, en vérité. Oui, ça s'arrête là. L'or et de la poutre, c'est pas bien méchant. Ok, donc maintenant, on va. Celle-ci, on va donc la découper comme sa collègue. Celle-ci, on va la découper ici aussi. Là, on va faire en sorte de décaler. On va faire en sorte déjà non de décaler les vertices, juste les vertices qui sont là déjà. Ce serait déjà une bonne chose. Voilà. Et on décale donc la face qui se situe là. Voilà. Je pense que ça va en vérité, ça fait des découpes plutôt propres. J'ai juste à le faire sur là et là. Ensuite, je vais dupliquer de l'autre côté, et puis il faudra que je trouve le moyen de faire un truc propre ici aussi, quoi. En vérité, ça pourrait très bien être un pignon, hein. Juste un pignon de couleurs différentes, hein. Je pense que je vais pas me faire chier. Parce que si on regarde. Ah non, c'est quand même des tuiles, hein, de chaque côté, hein. Bon, bah, faire des tuiles de chaque côté. C'est parti. Après, je suis pas obligé de tout faire comme les autres, hein, mais. Disons que je trouve que ce serait plutôt pas mal, quoi. On a du temps, il est que 15h. On a du temps, il est que 15h. Temps de faire les choses bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien entamer la création des. La création du centre d'entraînement des archers aujourd'hui aussi. En tout cas de son T1, quoi. Explorer quelques idées, etc. Ça pourrait être une très bonne chose. Hop. Hop, donc ça c'est ok. Hop. Après, il faut essayer d'être un peu plus rapide sur Blender, hein, mais bon, c'est compliqué d'être plus rapide n'étant pas très doué. Ni très astucieux en vérité. Et c'est pas. Ça, je suis en train de me dire que. Tac, tac. Tac, tac. Non, il faut vraiment que là, ça coupe autrement. Donc, boum, boum, je vais décaler ça. Et en vérité, je vais même décaler les vertex qui sont là. Tous les vertex qui sont là. Je vais les décaler en dehors de la poutre.
Pareil pour les vertex qui sont là, je les décale en dehors de la poutre. Voilà. Voilà, histoire que ce soit propre. Pareil donc pour les vertex qui sont là. Ça dégage en dehors de ma poutre. Pareil pour les vertex qui sont là. Ça dégage en dehors de la poutre. Voilà. Ça peut bien dépasser du bois, je m'en fiche un petit peu. Par contre, ça a pas, il n'y a aucune raison que ça, que ce soit dans le bois. Hop. Donc, boum, 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 boum. Ok. On prend donc les vertex qui sont là. Je les dégage du bois en même temps que ceux-là. Alors, wireframe, on les prend. On les dégage de là. Ça, je les prends, je les dégage de là aussi. Voilà. Bon, c'est pas. On va prendre wireframe. Et voilà. Celui-là et celui-là ne sont pas dégagés du bois. Pareil, ils sont pas vraiment dégagés du bois. Hop, et j'ai l'impression qu'il y a un enchevêtrement ici qui est pas foufou. En vérité, lui, il devrait pas être aussi décalé. On va le remettre là. Boum. Voilà. Et lui, là, il est pas au propre. Toi, tu devrais venir là aussi, mon pépère. Et toi, tu devrais dégager un peu plus par là. Reprendre un peu les éléments qui sont là. Un peu les éléments qui sont là. On va essayer de les aligner proprement. Voilà. À toi donc avec des tuiles. Donc on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Peut-être un petit peu, ouais, voilà, augmenter la taille des trucs. Et peut-être que j'en ferai juste des pignons ici. Faudra voir l'effet que ça rend. Et, ensuite, il faudra dupliquer de l'autre côté. Donc. Alors. Wireframe. Hop, tout ça dégage en dehors de la poutre. En vérité, non. Attendez. Hop. Tout ça, c'est. Ouais, voilà. Tout ça se décale. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais juste prendre cela. Les dégager là aussi, en dehors donc de la poutre. Parfait. Cela, c'est bien pareil. Ça dégage en dehors de la poutre. Et ceci, on peut les aligner un tout petit peu plus, c'est pas méchant. Voilà. Pareil là. Pareil là. On prend. On prend ces éléments-là, on les dégage à côté de la poutre, et ça, on aligne. Voilà. Ok, là, comme ça passe. Ouais, comme ça passe. Même s'il dépasse du truc en vérité, ce qui est pas foufou, mais pour l'instant, on dira que ça fait le taf. Voilà.
On a donc ces éléments-là, ces éléments-là, ces éléments-là, ces éléments-là. On les dégage. Voilà. Ensuite, on met juste ces deux éléments-là. Pareil. On les dégage là. Ces éléments-là, on les dégage ici. Ceux-là, on peut essayer de les aligner encore, hein. Voilà, un tout petit peu. En vérité, là, ça qu'on aligne au propre, en vérité, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Ça nous fera un toit de caserne qui est propre, parce que les toits, c'est clairement ce qu'il y a le plus, ce qu'il y a de plus long à faire, tout simplement parce que j'ai déjà les pierres pour le bâtiment de base, et que j'aurai juste à lui greffer une porte en bois. Et je ferai quelques gonds, etc. Donc voilà, ça pourrait vraiment être. Ça peut être un truc super rapide à faire en vérité. Le corps du bâtiment peut être plus rapide à faire que ce qu'on pense. Alors. Tatata, en vérité, je suis en train de me demander si même je peux pas juste faire comme ça. Tellement là, c'est. Voici. Ne pas se prendre la tête. Voilà, au propre. Bon. Maintenant, donc, toutes les tiles qui sont là. Parce que le roof body, il est là, etc. Donc, il va falloir les joindre. Joindre, d'accord. Donc ça, c'est Tiles. Non. On duplique. Alors, on fait un set origin. Center of a mass. All transform. Voilà. On duplique. Sur l'axe des X. On applique une rotation de 180 degrés. Boum. Et on va aller le poser de l'autre côté. Alors, l'autre côté. Comment ça se profile? On va essayer de le déplacer. Est-ce que c'est plutôt OK? Je pense que c'est plutôt OK en vérité. Ça va le faire, parce qu'après il y aura également les tuiles qui sont là. Donc ça peut être. Ouais, on va quand même mettre des tuiles hein, de ce côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre. On va prendre donc. Une des deux. Alors, Tiles 2. On va en dupliquer un pour faire une réserve de tuiles, entre guillemets. Hein, parce que là, hop, voilà. On fait une sélection Pay by Loose Parts. Voilà, hop. On décale tout ça. Et on va en garder juste une, en fait. Voilà. Ça dégage. Tout ça dégage. Ça dégage. Et on va avoir donc une tuile de base, donc tile base. Voilà. Voilà. Que l'on va prendre donc. Que l'on va dupliquer, on va garder cette tuile de base parce que. Quoique après, une fois qu'on aura fait ici, on va dupliquer de l'autre côté. Mais bon. Rotation à 90 degrés. Hop, c'est pas grave, on va le mettre ici. Content all transform, set transform to center of the mass. Voilà, on va la poser là. Là, boum. Tiens, il y a un truc que j'aimerais savoir. Oh, vous êtes 7? Purée. Je le vois pas parce que vous êtes très sage en fait. Vous êtes tout sage. Faites pas de bruit, vous me laissez. Vous me laissez travailler sur mon petit truc et tout. N'hésitez pas hein, si vous voulez papoter un peu entre vous ou autre. Il ne faut surtout pas hésiter. Alors, il y a un truc que j'aimerais voir d'ailleurs. Hop, hop. En fait, ce serait pas mal que je sache. Ce que je veux, moi, c'est faire en sorte. Alors, déjà, là, on n'est pas sur une rotation. Voilà. Donc, on n'est pas sur une rotation. Donc, faire un contrôle A. Je ne sais plus comment on fait pour faire un reset.
Alors, Blender, Reset, Transport. Ah mais non, ça va pas marcher. Je lui ai appliqué toutes les transformations tout à l'heure. Donc il va pas savoir. Pour lui, c'est pas parce que... Oui. Donc, hop. Tant pis, ça va être à moi de me débrouiller un peu comme ça. Hop. Hop. Voilà, on n'a qu'à dire que c'est bien comme ça. Et ensuite, je me positionne sur le côté et je n'ai qu'à faire un 90 degrés ici. Je peux essayer de l'aligner encore un peu plus. Voilà. Si je me mets de face, est-ce que je suis bien aligné? Ou pas? Je suis bien aligné, c'est que ça devrait aller. Ok, donc là, c'est une transform donc de base. En vérité, c'est lui que l'on va garder en tile base. Toi, tu dégages. Voilà, donc la tuile de base, elle est là. On va aller la poser bien là-haut. Et là, on a donc le début de Tiles 3. Zut, toi tu m'énerves. La taille base, c'est toi. Et voilà, donc, toi ce sera Tile 3. Tiles 3. On se positionne sur le côté. On va aller se mettre là. Origin Center of Mass, voilà. Boum. Et on va se positionner à la limite qui est ici. Pareil. Un petit array. Sur l'axe des X, cette fois-ci, c'est la bonne chose. Voilà. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas grave si c'est. Alors. Un truc par contre que j'aimerais voir, c'est c'était ça l'écart, ouais, entre les tuiles, hein. C'était ça l'écart entre les tuiles. Oups. Voilà. Sortir un peu du truc. Et donc il nous faut, on a dit 1, 2, 3, 4, 5 étages. Ok. Donc le gros avantage, c'est qu'on sait combien d'étages il nous faut. Alors, Tiles 3, donc toi tu dégages de là. Hop. On va donc le dupliquer. On sait qu'on va le mettre. Ici, on va le décaler un peu là, voilà, comme ça. Qu'en vérité, on n'a même pas besoin d'en avoir un en trop ici. Ça, on le duplique. On va le mettre plus haut. Et on va donc légèrement les décaler. Alors, c'est ceux qui sont plus haut qui passent par-dessus. Et donc, du coup, eux, il faut les décaler. Alors, on va prendre 1, 2, 3, que l'on décale un peu là. Voilà. On prend donc ces éléments-là. On les décale sur l'axe des Y, sur l'axe des Z. Légèrement. Toi, tu te remets là. Tu reviens ici. Voilà. On reprend tout ce petit monde, on l'aligne avec le bas, parce que c'était le deal de départ. Voilà. Et il va falloir qu'on fasse au minimum un truc en plus parce que là, j'ai un peu l'impression qu'on a... Ouais, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on aurait pu prendre... Je suis en train de me rendre compte qu'on aurait pu prendre un truc. En fait, vous savez quoi? Tiles 3, Tiles 3, Tiles 3 ici. On va les supprimer. J'ai une idée. On va dupliquer. On va en dupliquer un. On va lui adresser une rotation de 90, de moins 90 degrés ici. On va amener là. J'aurais dû y penser plus tôt. J'ai pas fait. J'ai pas été très intelligent sur ce coup-là. Voilà. On va donc adresser donc la rotation qui épouse bien celle du toit. Enfin de ce bout du toit. Voilà. Et en fait, bah, on va tout simplement virer tout ce qui est en trop et aligner ce qui était là. J'y ai pas pensé, je suis trop bête. J'y ai vraiment pas pensé. Beaucoup trop bête, le garçon. Alors, du coup, pour éviter de se faire avoir, on va se faire une nouvelle connexion, on va placer dedans. On fait un
P by Loose Parts. Voilà, hop. Comme ça, il se démène dans sa collection. On va sélectionner tous les objets qui nous enquiquinent. Donc, boum, 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 boum. Ça dégage. Voilà. Ça dégage. Ça qui est en dehors, ça dégage. Quoique, celui-ci, est-ce qu'on n'en a pas besoin? Ouf. Celui-ci, on n'en a pas besoin, c'est certain. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Mais lui, est-ce qu'il dépasse vraiment suffisamment? Non, lui, on peut en avoir besoin. Et lui, on peut en avoir besoin. Je peux juste garder les extrémités, c'est ce que je fais. Hein. Je regarde un peu. Donc lui, on n'en a pas besoin. Lui, en revanche, on en a besoin. Lui, on en a besoin. Ouais, donc boum, 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 bon, bon. Ok, c'est parti. Hop, 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 hop. C'est pas les mêmes angles, en fait, aux extrémités. C'est pour ça que je vais pas les garder. Je vais pas garder ces extrémités-là. Parce que c'est pas exactement les mêmes angles, en fait. Donc je vais juste refaire des angles propres. Et en vérité, tout ce qui est là, donc ça c'est ok, ça je vais pouvoir légèrement l'aligner. Puis ben, ça aussi je vais pouvoir l'aligner. Ok, ça va être propre. Je le fais au propre ici, je le duplique là-bas, et j'ai mon toit. Franchement, un joli toit de base en fait pour d'autres bâtiments, en fait. Pour des bâtiments. J'ai d'autres bâtiments d'ailleurs avec des tuiles beaucoup plus travaillées, tout ouvragées, etc. Et du coup, ça pourra faire d'autres types de bâtiments avec d'autres types de tuiles. Ok, donc, toi, tu vas venir ici. Et je vais te retravailler. Alors, déjà, on va se mettre là. On va tous se mettre à la gauche du truc. Et voilà, c'est pas exactement le même angle ici. En vérité, même cette tuile-là, elle est peut-être un peu trop. Alors, hop. Ce qu'on pourrait éventuellement se dire, c'est que c'est too much là. Là, vous voyez, la wireframe ici, si je veux sélectionner, boum. Donc, si je veux faire en sorte de. Voilà. Voilà. Et même en vérité, toi, tu es déjà là. Alors, elle, je vais la sortir du. Je vais la sortir, voilà, de ça. Boum. Faut que je la sorte du. Je la mette ici. C'est un petit morceau de tuile qui n'est pas forcément, voilà, très, très à sa place. Voilà. Hop. Et lui, il dégage. Lui, il dégage. Là, lui, il dégage ici. Et en vérité, je me rends compte qu'ils sont même pas alignés avec le bas. Ah là 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 là. Alors, oh, ils sont même pas alignés avec le bas. Faut que je les sélectionne tous. Faut que je les sélectionne un peu tous. Que je les remonte. Voilà, pour les aligner avec le bas du. J'en suis à mon second café, mais j'y travaille, c'est bientôt l'heure du goûter. Salut Aqueuse. Ça va? Stream aujourd'hui ou pas? J'ai même pas regardé si t'étais là. Ta-ta-ta. Non, t'es chez moi pour l'instant. Tu vas streamer tout à l'heure ou pas? Ah bah oui, elle est là, Aqueuse. Ça va, je streamerai pas trop cette semaine, c'est vacances, repos pour moi. Bah, t'as bien raison. Tu as bien raison. Tu as bien raison, le repos, ça reste quelque chose de génial. Bah, c'est cool. Bah, merci en tout cas de passer par ici. T'en es au second café, donc tu me disais. Bah, purée. En fait, là, ouais, voilà. Là, c'est clairement, typiquement le genre de truc. Regardez. Elle était trop grosse. Je l'ai gardée, en fait. Je l'ai gardée, cette tuile. Mais en vérité, elle va m'embêter plus qu'autre chose. C'est juste pour pas avoir de trous. Donc, elle m'enquiquine, mais bon. Je vais la garder, mais vraiment,
Là, on n'est pas sur. On n'est pas sur un truc bien sympa, quoi. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre ici. En vérité, toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Typiquement, je me suis fait chier, là. Typiquement, je me suis beaucoup fait chier pour pas grand-chose. Voilà. En fait, ce qu'il faut maintenant, c'est que je prenne ces trucs-là et que je les bouge selon la normale, entre guillemets. Sauf qu'il a pas l'air, sauf que cette face a pas l'air de vouloir bouger selon ça. En fait, il faudrait que je les ramène ici, en fait. Ce serait beaucoup plus simple. Pas vraiment les contraintes de ton projet. Passe par une texture pour des motifs de toit et de mur. Non, je passe pas par une texture. Je pourrais. En vérité, je pourrais. Mais je suis parti du principe, en fait, que je vais essayer d'avoir que des colors matériels, en fait. C'est pas forcément une contrainte. Pas forcément une contrainte technique, en fait. C'est une contrainte que je mets moi, parce que je suis très mauvais pour faire des textures. Et du coup, je choisis de modéliser un maximum de choses. Et comme je pars du principe. Enfin, je pars. C'est pas un principe, mais je pars. Je me dis, je vais probablement faire essentiellement des trucs en 2D à plat. Et ben, j'essaye en fait de faire un maximum de. J'essaye de faire un maximum de choses côté cartoon, donc plutôt cartoon. Donc du coup, là, tu vois par exemple, là-dessus, t'as pas une seule texture, tu vois. C'est juste du color material, tu vois. Et donc du coup, bah forcément, bah j'essaye de tout modéliser. J'essaye de tout modéliser un peu. Au niveau des détails et tout. Alors certes, ça prend un peu plus de temps, mais moi, ça me va mieux que de m'embêter à faire des textures. De toute façon, je suis mauvais à ça. Donc bon, après, tu me diras, je pourrais apprendre, hein, c'est sûr. Hein. Ah, oui, j'en fais un jeu après. Oui, bien sûr. Le but, enfin je te montre rapidement. Mais en gros, le concept, en fait, c'est d'utiliser un moteur open source que j'ai codé il y a plusieurs mois, qui permet de faire un jeu de gestion, en fait, si tu veux. Et donc là, je suis en train de le brancher à une API Express. Et le but du jeu, bah, c'est de créer, en fait, tous les bâtiments qui font de la production de ressources, de la production d'unités combattantes. Donc là, si on regarde la liste de tout ce que j'ai à faire, si tu veux. Quel souci du coup? Parce que là, tu vois, regarde, j'ai ces bâtiments-là, donc les 16 qui sont là. Beaucoup de vertices, plus beaucoup de. Égale beaucoup de draw calls. Oui, mais pour le coup, je ne vais pas l'afficher en 3D. Je vais faire des exports 2D, en fait. Il est fort probable que je fasse des exports. Que je fasse des exports 2D et que le jeu soit en 2D avec des exports en PNG, si tu veux. C'est probable. Si je le fais en 3D, comme j'ai dit, je referai un coup de retopo, en fait, histoire de simplifier les modèles. Mais là, pour l'instant, je suis surtout en train de tabler sur, de tabler sur de la 2D. Au pire, je referai un coup de ritopo, je fusionnerai les géométries, etc. C'est pas ça qui me fait le plus peur, en vérité. Non, moi, ce que je veux, c'est déjà avoir, en fait, une version en 2D. Tu vois, quand je disais que je connaissais pas tes contraintes et je disais sûrement des bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. Tout le monde m'a fait la réflexion en me disant, attention, ta topologie, elle est dégueulasse. Et c'est vrai, hein, ma topo, elle est dégueulasse. Pour le coup, c'est une vraie contrainte. Si je veux passer à la 3D, ça me prendra plus de temps. Je pense très sincèrement que de toute façon, dans 2 mois, donc plutôt vers Noël, janvier, lorsque la bêta du jeu sortira, enfin la bêta avec les features qui correspondent juste à la gestion des bâtiments, ce sera en 2D à plat. Et ensuite, si le jeu prend que j'ai sorti les features 2 et 3 dans les mois qui suivent, et que le jeu prend, peut-être que je ferai un coup de ritopo pour le sortir en full 3D. Et à ce moment-là, je repasserai probablement sur Unity ou avec du 3JS. Ça dépend de ce que j'en fais. Mais pour l'instant, c'est vrai que je pars plutôt du principe que je vais avoir un rendu bien cartoon, que j'ai pas envie de me prendre la tête dans le moteur, dans le moteur front-end. Donc du coup, parce que si je repasse sur du Unity, si je repasse sur du 3JS, ça veut dire aussi que je suis obligé de retravailler toutes mes lumières. À plat, bah en gros ça si tu veux, hein. C'est-à-dire que en gros, tiens attends j'ai des exports sur mon truc. Mais en gros voilà, si tu veux des exports à plat, si tu veux c'est en gros je fais des rendus si tu veux comme celui-ci sur une map et en gros je clique sur un emplacement vide sur la map, paf ça me fait l'ET1 qui s'affiche.
avec un petit son, etc. Je rajouterai peut-être quelques petites animations si tu veux. Ensuite, je clique, je dépense mes ressources, j'améliore, paf, au bout d'un certain moment, j'ai le T2, ensuite T3, T4, etc. Tu vois, quand je dis à plat, c'est vraiment, en gros, j'exporte des PNG si tu veux. C'est ça que je veux dire par là. Alors attends, vous êtes où? Oui, c'est pas, comment dire, je fais tout en 3D pour me laisser la possibilité un jour de le passer en 3D. Mais pour l'instant, je pars sur vraiment du rendu cartoon, etc. Et donc, la 2D me conviendra très bien, je pense, dans un premier temps. Le but du jeu, pour moi, c'est déjà de sortir justement le fameux jeu en 2D avec des motifs, enfin avec des trucs qui sont satisfaisants, enfin des modèles qui sont satisfaisants. Je commence à être satisfait des rendus que j'arrive à faire, parce que je ne suis pas du tout graphiste 3D, comme ça peut se voir. Et je pense que pour un jeu style cartoon, honnêtement, ce genre de truc, ça passe bien. Le navigateur souffrira moins en 2D, frira. C'est pas tout à fait vrai, en vérité. Tu peux très bien avoir des jeux en 2D qui peuvent être très très lourds parce que les PNG sont lourds, alors qu'en vérité, quand tu as un modèle 3D, c'est aussi pour ça que je me force à faire du color material, si tu veux. Certes, il y aura beaucoup de vertices, en fait, mais à côté de ça, si j'ai aucune texture à charger, les modèles 3D en eux-mêmes seront plutôt légers. Parce que décrire des nuages de points, ça pèse toujours moins lourd que de télécharger de la PNG. Bon, ça reste à voir, à vérifier, à benchmark, etc. Mais en soi, si tu fais des modèles 3D avec uniquement de la color material, en vérité, tu décris des couleurs et tu décris des points. Alors oui, après, il y a un petit peu plus de draw call, et surtout, il y a un peu plus de, et surtout, il y a un peu plus de vertex à envoyer à ta carte graphique. En vérité, quand tu regardes les capacités qu'a ne serait-ce que WebGL 1, tu sais que quand tu affiches quelques centaines, enfin tu peux aller jusqu'à 200 000 triangles facilement sans mettre à genoux ma machine qui est pourtant vieille, si tu veux. Et c'est même pas une. Enfin, c'est une 1080 Ti, si je dis pas de conneries, donc c'est vraiment une vieille machine hein, en soi. Donc là, si tu veux, on est dans Blender. C'est un moteur qui tourne. Enfin, c'est un moteur qui est écrit en Python, si je dis pas de conneries. Enfin, je suis en train de rendre ça, même si je le mets comme ça, si tu veux, il y a zéro problème de rendu. Bon, avec un moteur optimisé qui utilise bien ta carte graphique, etc., et qui en plus, s'il y a eu de la retopo derrière, je pense que je vais être plutôt OK, hein, franchement. C'est même pas une question de free RAM. Là, franchement, la RAM, je pense qu'elle souffrirait plus avec les exports en 2D, parce que c'est de la grosse PNG et que c'est pas que c'est pas compressible, mais bon, ça prend de la place, quoi. C'est le concept. Encore une fois, il faut pas penser qu'en fait tout ce qui est en 3D est forcément plus lourd. Tout ce qui est en 3D a besoin de plus de description, mais la description, parfois, rien qu'en termes de poids ou en termes de stockage dans la RAM, ne pèse pas forcément plus lourd. Par contre, du coup, vu qu'aucune optimisation n'est gratuite, de fait, ton modèle 3D, enfin, dès que tu as besoin de 3D, tu as besoin de plus de calcul. Mais ça, c'est le boulot du moteur 3D. La comparaison serait intéressante à mesurer à l'occasion. Bah, de toute façon, comme je l'ai dit, si je pars sur d'abord une première version avec un rendu en 2D à plat, j'aurai donc le poids total des fichiers en 2D qui sera donc uploadé sur le serveur et que vous devrez télécharger. Et si je passe derrière, après avoir fait un coup de retopo, sur de la full 3D, bah on verra bien la différence en fait en termes de poids. Donc à terme, de toute façon, la différence, je vais l'avoir. Si je pars du principe que je vais le faire un jour en 3D, ce qui n'est pas encore admis, hein, vraiment, c'est pas une, c'est pas, je me le mets pas comme une obligation. Ça peut être, ça peut être quelque chose qui me fera envie, tout comme ça peut être quelque chose que je m'abstiendrai de faire. Je verrai. Mais en soi, si tu veux avoir une idée à peu près, comment dire, si tu veux avoir une idée, tu peux par exemple dire, je sais pas moi, tu fais un gros carré, tu décris 8 points, d'accord, et une couleur, tu stockes ça dans un fichier texte et tu compares un PNG. Tu vas voir, c'est incomparable en termes de poids. En train de me faire suer. Je suis en train de me faire suer. Je vais le faire un par un. Ou même deux par deux, et ça marchera très bien.
Puis au début, c'est pas forcément le truc que je voulais comme ça. Voilà. Je vais le baisser. Hop. Voilà. Voilà, mais là au moins il déborde pas. Donc boum. Voilà. Il déborde pas là. Voilà. Je suis pas très convaincu de ce que je suis en train de faire pour être honnête avec ces petits morceaux de trucs. Et là. Attendez, c'est quoi ce morceau de machin là? Ah, c'est celui-là. D'accord. Voilà, hop. Zut. Alors, on va lui découper sa face à lui. Voilà. Lui aussi, on va lui découper sa face. Et eux, là, on va les bouger légèrement. Voilà. C'est juste pour pas avoir des morceaux en moins, mais en vérité, je suis en train de me dire que je me fais bien suer pour pas grand-chose. Que ça, c'est pas beau. Hein. Franchement, avoir des mini morceaux de tuiles qui correspondent à que dalle. En même temps, je les ai pas bien alignés non plus. Voilà. Si je les mets là. Ça déborde bien comme il faut sur le truc. Franchement, la tuile qui est là, je vais la virer. En fait, elle m'emmerde. Elle m'emmerde plus qu'autre chose. Voilà, c'est pas bien grave s'il y en a un peu. S'il y en a un peu qui déborde. Hein. Franchement, au bout d'un moment, faut savoir faire des sacrifices. Voilà. Voilà. Sera quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide parce que là je me fais chier pour rien. Hop là. Boum. Voilà. Boum. Voilà. Voilà, on découpe. C'est comme si votre gars qui vient faire votre toit, il avait fait ses petites découpes à lui là. Hop. Voilà. Boum. Voilà. Alors, toi tu vas venir là. Toi tu vas venir là. Boum, boum. Hop. Hop. Alors. Poser ça là. Poser ça ici. Poser ça là. Alors, ensuite. Wireframe, je te prends là, toi. Voilà. Toi, tu viens, tu vas là. Voilà. Boum, 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 boum. Et ça, après, il va falloir que j'enlève les morceaux en trop ici, et que je décale un peu tout légèrement parce que là, ça pas du tout. Faudra peut-être même que je le repenche un peu parce que ces morceaux-là sont un peu trop éloignés du toit.
Ok, bon, on va passer à l'autre côté. Qui n'est pas moins compliqué que celui-là. Je crois que j'ai fait. J'ai pas été. Pas été l'homme le plus doué. Mais il faudrait en fait que je trouve le moyen. Ce serait juste de couper par un port à un masque. Je suis sûr que c'est possible. C'est juste que j'ai pas cherché à comprendre comment je pouvais le faire. Mais il doit tellement y avoir moyen de couper par rapport à un masque. En vérité. En vérité, il doit y avoir grave moyen de le faire. Hop, même ça, toi, tu dépasses un peu trop, frérot. Hop là, voilà, toi tu viens là. Toi tu reviens un peu là. Tu viens taquiner le bord avec lui et ça c'est ok. Faut juste qu'on voit bien la charpente. Hop, 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 je regarde. Ok, vous êtes relativement nombreux, c'est cool, ça fait plaisir. Est-ce que vous entendez la musique? Parce que franchement, elle est belle. Ce serait dommage de la rater. Ce serait vraiment dommage de la rater. Parce qu'elle est magnifique. Ouais, en fond, on l'entend légèrement. C'est cool. C'est cool alors. C'est très cool. C'est cool, c'est cool. Et même lui, là, il va un peu trop. Comment dire? En vérité, si on prend bien ce truc-là. En vérité, si on prend ce truc-là. Voilà. Et là, on va donc wireframe. On va. Prendre les faces qui sont là, mais mieux prendre tous les points qui sont ici. Je vais supprimer les vertices, j'en ai pas besoin. Voilà. Voilà, parce que ici, du coup, je peux me concentrer beaucoup plus facilement sur mes points qui dépassent en ayant un qui dépasse pas. Voilà. Ah non, lui. Non, non, il dépasse encore en fait. Il y a à peu près tout qui dépasse. Je vais encore couper un peu ici. Je vais même mettre en fait. Ouais, non, c'est un peu trop. Il faudrait en fait que j'arrive à me mettre là. Eh ben, ça va se faire. Voilà, je vais même m'accorder une petite marge. Voilà. Z wireframe. On va prendre tous les points qui sont là-haut. On les dégage. Z solide. Voilà, comme ça, là, j'ai une marge en fait qui tombe en dehors de la poutre. Wireframe. On va donc décaler ça en dehors de la poutre. Et on décale aussi ça en dehors histoire de pas faire n'importe quoi. Ça, on va le décaler en dehors de la poutre. Et ça,
aussi, et ça aussi. Voilà. Toi, tu vas venir là. Et je vais t'appliquer le même traitement, en fait, mon copain. Parce que là, ça ne va pas du tout. Voilà. Z wireframe. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Hop. Toi, tu reviens là. Voilà. Et en fait, il faut que je refasse des faces, par contre. Ce qui est assez logique. On va faire 1, 2, 4, 5, 6, 7. Voilà. On sélectionne un edge. On le remonte entre guillemets légèrement. En fait, c'est pas forcément très très propre. Donc, Z, wireframe, boum, 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 boum. Toi, tu reviens là. Je suis en train de bricoler des machins. C'est en train de se voir que je bricole. J'aime pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. En fait, je pense même casser des choses ici. Je vais prendre Z wireframe. Je vais virer ces points-là, virer ces points-là. Parce qu'en vérité, il n'y a pas grand-chose qui soit très satisfaisant ici. Donc on va prendre la face qui est là, la face qui est là, on va la reconstruire. La face qui est là, la face qui est là, on va la reconstruire. Voilà. On va prendre cette face-là, on la décale. Voilà. Elle, on la décale aussi pour éviter les trop gros trucs un peu nuls. On prend cette face-là, on l'extrude sur sa normale. Voilà. On décale la face qui est en accord ici. Tac. Pour que ça fasse un vrai bout de quelque chose. Voilà. Voilà. Puis ensuite, on réappliquera une rotation à l'ensemble. Bon. Bon, 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 bon. Ouais, je pense qu'on va après décaler ça. Peut-être même que j'augmenterai un petit peu la taille des poutres. Hein. Vraiment. Ça se voit que c'est de l'amateurisme complet, cette affaire. C'est de l'amateurisme complet, cette affaire. Alors, on m'a envoyé. Ok, d'accord. Ok, bah écoute. J'avais un copain qui voulait que je le raide, mais finalement, il est pas disponible. Bah, c'est pas grave, Jay. Ce n'est pas bien grave, mon ami. Ce n'est pas bien grave. Hop. Voilà, donc toi tu viens là, toi tu viens là. Alors, boum, 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 boum. On décale légèrement. Toi, on te décale encore plus. Voilà. Et enfin, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Voilà. Donc, boum,
ça se décale, ça se décale aussi. Boum. Voilà. Ok, bon. Maintenant qu'on a toutes ces petites merdouilles là, on va les sélectionner. On les regroupe. On fait un All Transform. Set Origin to Center of a Mass. Et on va essayer d'aligner un peu plus ça, parce que là, c'est pas gérable ça. Ça dépasse pas de la poutre et moi, ça m'énerve. Donc, on le met un peu plus bas, on le tourne un peu plus comme ça. Voilà. Le problème, c'est qu'on ait vraiment l'impression que ce soit des tuiles et pas des espèces de trucs immenses. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'affiner, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est. J'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas bien là. Donc, les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons. On va l'affiner uniquement sur l'axe. Alors, on fait un All Transform, Origin Center of Mass. Donc, et on fait juste un affinage sur l'axe des Y pour que ce soit un peu moins violent quand on l'applique. Voilà. Alors, toi, tu viens là. Parce que toi tu dépasses et ça m'énerve. Tu vas arrêter de dépasser. Alors. Alors, me demandez pas pourquoi ils mettent du Pokémon. Voilà. Voilà. Donc le but, voilà, c'est que ce soit un peu moins. Voilà. Ça peut le faire. Juste remonter légèrement les poutres ici, parce que je me rends compte que je me fais chier. Et même chose pour cette poutre-là. Juste remonter légèrement pour que ce soit en accord. Ok, bon, on va dire que c'est pas trop dégueulasse. Je dis bien on va dire parce que bah, il faut quand même que je remonte un peu ces trucs-là parce que là
On n'est pas bien. Ça dépasse beaucoup trop. Donc, voilà. Et ici, on va découper. En tout cas, on va ramener le truc ici. Alors. Ça déborde un peu trop sur la poutre, on le voit bien. Voilà. Voilà, alors. Roof body. Si on fait en sorte d'avoir des couleurs. Si on fait en sorte d'avoir des couleurs juste pour se rendre compte. On va même pas avoir le temps de faire notre. Ça va être chiant. Hein. J'ai pris trop de temps à faire le toit ici. Et donc du coup, après, donc on a mes tiles ici. Si on prend donc des tuiles bien rouges. Tuiles tiles ici. Ah, et du coup j'ai pas mis les mêmes ici. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que le roof body soit aussi d'une couleur qui ressemble quand même légèrement à celle de. Ouais, et donc ça, pourquoi ça a ce même matériau-là? C'est hors de question. On va tout simplement créer. Ici. Tac. Tac. Ouais, mais en fait, non. C'est. Voilà, moi je veux assigner cette couleur. Ça va me gonfler. Sign. Toc. Pareil ici, donc. Cool. Zut. Non. On a dit assign wood. Là. Voilà. Toi, tu viens là. Et en vérité, cette couleur-là, donc roof, pour roof body, donc body. Donc ça, c'est la couleur qu'on va mettre, entre guillemets. Voilà. On va essayer de la mettre un peu ocre sans être trop, comment dire. Sans être trop voilà méchante, voilà un peu rouge foncé entre guillemets. Bon, c'est pas le meilleur truc que j'aurais pu espérer, mais au moins là on voit bien ce qui déborde, on voit bien ce qui reste, etc. Bon, alors tiles, on va mettre pas de spéculaire, la roughness bien comme il faut, shinting, donc avec les couleurs, etc. Et on n'a pas une seule lumière dans cette saleté de scène. Add light sun. Voilà. Juste vérifier ça. Ok. Bon. On a la base de notre truc. Je pense qu'on va pouvoir en vérité faire. Salut copain. Ça va, de Gatien? Non, c'est pas un McDonald's. C'est un début de toit, en fait, pour une caserne militaire. Donc avec des tuiles et tout. Voilà. Donc là, hop, c'est là-dedans. C'est pour le T4 de la caserne. Sauf que j'ai eu toutes les difficultés du monde à bien. Enfin, toutes les difficultés du monde. J'ai surtout pris beaucoup de temps à le faire. Et donc, du coup, bah, voilà. C'est en train de se terminer. En fait, je l'ai fait dans un fichier à part, tout simplement parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à le faire au milieu de tout le bazar. Au milieu de tout le bazar qu'il y avait dans l'autre fichier, tout simplement. Et donc là, je suis en train d'appuyer
d'assembler donc les derniers trucs. Voilà, bon, ce sample là au moins les couleurs à l'heure actuelle me permettent d'avoir des reliefs. Et après bah, je vais mettre le corps, etc. On retravaillera un peu les couleurs à la lumière de la scène. Donc ok, on a le toit. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de. On va mettre donc Tiles 4. Donc la tente rouge devient un bâtiment solide à toit rouge. Tout à fait. Tout à fait. Le but, c'est d'avoir vraiment. On est au T4, on est au niveau max, donc on a le. On a du budget. On a du budget. Alors, on va mettre notre roof. Ici, on va tout mettre à l'intérieur. Donc, caserne, roof body, tiles, etc. Tout ça, là, ça va là-dedans. Tout le reste, ça dégage là-haut. Ça dégage tout court. Ça, c'est une base, on s'en fiche. Donc, on va mettre ça de côté. On va rouvrir notre caserne. Et du coup, t'es dispo ce soir ou pas du tout, Dégatien? On te voit entre guillemets dans le vocal, si je puis dire. Donc là, tu vois, c'est le début hein, de notre T4. Donc on a commencé à mettre des créneaux. Maintenant, on va mettre un bâtiment donc avec un petit toit. Et puis on va du coup lui greffer un petit corps. Et puis voilà quoi. C'est le but. Hein. On va essayer de faire quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Ouais, ça devrait arriver. Ouais, bah oui. Donc voilà. Alors, on va tout prendre dans ce qui est ici. On va donc se créer une. On va donc se créer. Alors, on avait une army tent qui était ici. On va mettre un barracks. Barracks Obamax. Voilà. On va donc pouvoir positionner nos éléments ici. Voilà. On va essayer de les positionner donc à peu près là. Voilà. Notre bâtiment, il va être ici. Et donc on poste nos éléments ici. Alors. Ce qu'on va faire, on va essayer de lui attribuer un bois qui existe déjà. Parce qu'on a déjà des couleurs dans ce fichier. Il sert à rien d'essayer d'inventer 30 000 nouvelles couleurs. Ok, et on a déjà un rouge. Alors le rouge, est-ce que ça peut pas être le rouge d'autre chose? Est-ce que ça peut pas être le rouge de nos bannières? On verra bien ça. Et donc ça, c'est vraiment pas une couleur satisfaisante. On va prendre. Non, parce que si on met du black, c'est pas beau non plus parce qu'on voit tout. Non, ce qu'il nous faut, c'est une vraie couleur. Ouais, je suis. Ouais, bah oui, bah oui. Non, ce qu'il nous faut, ouais, c'est vraiment une couleur. Bon, alors du coup, c'était ça. Faut qu'on la retravaille parce que ça va pas du tout cette affaire. Faut pas qu'elle soit exactement la même que celle des tuiles. Mais faut pas non plus qu'elle la fasse trop ressortir parce que les tuiles sont pas disposées parfaitement. Après, je pourrais peut-être essayer de disposer parfaitement mes tuiles. Hein. Ça peut éventuellement se faire. Hein. Et je pense qu'à terme, de toute façon, je vais pas tellement avoir le choix, en vérité. Je pense qu'à terme, j'aurais pas vraiment le choix. Là, c'est un rouge, rouge, rouge bien pétant. Parce que si je regarde, c'est 1,0800. On va partir sur cette base de couleurs-là, en fait. Donc 1,0800. Voilà. Sur laquelle il y a très peu de specs. Et plus de roughness qu'autre chose. Parce que ça, ouais. Mais attends, si je comprends bien, c'est 0,0016 1,800. La même base. 0,0016. Voilà, on va essayer de modifier la teinte pour que ce soit la même. 0,1800. Pourquoi j'ai pas la même teinte, quoi?
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Là, je suis dans body. Là-dedans. 000116, d'accord. On va copier les valeurs. Faisons comme ça. Voilà. 1-800-A, 1-800-A, 1-800-A. D'accord. Cochon, je suis pas du tout au même endroit. Et voilà. Voilà. Et donc du coup, légèrement plus foncé pour faire ressortir le volume des tuiles. Ah, voilà, là c'est déjà mieux. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon baraquement, je vais pouvoir mettre mon baraquement ici. En dessous, avec donc mes petites pierres, etc. Et ça marchera bien. Faut juste que je vire le demi de là, quoi, c'est tout. Ok! Ok! C'est qu'il y a de ma babane d'ici là, en tout cas. Oh, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Tu es. T'es pas si. T'es pas aussi exécrable que tu le penses. Donc ça va. Tu n'es pas si méchant ni si exécrable que tu le penses. Bon, par contre, les gens, à mon avis, on va déborder un petit peu de l'horaire de d'habitude. Hein. 16h30, à mon avis, j'aurais pas fini tout ce que j'avais prévu de faire. C'est pas grave. Pour une fois, il y aura un peu plus de stream. Boum, 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 boum. Ouais, il faudra peut-être aussi que j'étende un petit peu mes éléments qui sont là. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas. On n'est pas rendu là-dessus, donc hop. J'ai passé la matinée à le titiller sur son régionalisme éco-plus, mais en même temps, il faut arrêter de titiller les gens comme ça. C'est pas très gentil déjà pour commencer. Et puis, je sais bien que ça peut être très très rigolo, mais. Mais faut pas être méchant. C'est pas gentil d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Donc, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire de ce machin? On va dupliquer notre stone ref. Mais attends, non, c'est ouais, voilà, c'est dans stone ref. On va donc dupliquer un caillou. Les gens comme ça, surtout quand c'est l'admin du serveur, tout à fait. Ne pas titiller l'admin. Laisser l'admin tranquille, c'est encore la façon la plus. C'est encore la façon la plus, comment dire, intelligente de survivre. En fait, ce que je vais faire, allez voir, admirer mon intelligence, entre guillemets, si je puis dire, à pouvoir admirer mon intelligence, même si en fait, non. Mais en fait, on va pas refaire exactement comme eux, ils avaient fait. On va remettre ça comme ça. On va dupliquer ici. On va le porter par terre. Parce que pourquoi pas. Ou alors non, on va d'abord dupliquer sur l'axe. Voilà. On va faire un extrude along normals. Faire ça au propre derrière. Là, on va tout simplement aménager sur cette face-là un inset qui va nous servir de porte. On va descendre un peu là, va descendre un peu le truc. Sur cet élément-là, on va donc créer. On va donc créer un nouveau. On va donc créer un nouveau. Je vais créer un nouveau truc. Je vais le nommer Barracks Body. Barracks Body. On va lui choper une couleur.
Après, pour l'instant, on va mettre un gris un peu à la con. On va lui donner ça. Naturellement, vu que j'ai assigné ça sur absolument tous les trucs. Alors non, voilà, il est là le truc. J'ai oublié de faire ce que je voulais faire ici. On va mettre wireframe. On va se positionner là. Hop. Voilà. On va faire un P sélection, histoire de virer le corps de notre baraquement de notre toit. Voilà. On va retourner à l'intérieur, faire une sélection, assigner cette couleur, virer cette face. En fait, cette face, on va même tout simplement l'extruder. On va faire la technique qu'avait proposé Warmadon, qui est une très bonne technique du coup. On va faire en sorte de faire ceci. Boum, 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 boum. Et on va donc assigner un inside black. Non. Non, 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 c'était pas ça que je voulais faire. Ah là 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 là. Barracks body ici. Voilà. Bon, maintenant que ça s'est assigné, on va même le sortir parce que sinon il va me gonfler. On va donc sortir cette sélection. On va retourner dessus. On va retourner dessus uniquement pour cette sélection-là. On va lui assigner le inside black. Voilà. Et pour donner un petit effet un peu plus sympa, on va mettre de temps en temps, on va faire ressortir des petites pierres comme ça. Et on va même les faire en un peu plus petit. On va les faire en un peu plus petit. Alors par contre, pourquoi c'est pas. Pourquoi il n'y a pas le. Oh, attends. Ah! Ah, fait chier. On va revenir en arrière au moment du inset. Voilà. Je veux donc un inset. Ah oui, mais l'inset, il est dégueulasse. Voilà, là j'ai une face ici. Ouais, non. Oh zut, ça m'énerve. Alors, on va les reprendre, les machins. Hop, hop. Oui, il m'a fait un inset sur absolument tout. Alors, boum. On va effacer, donc on va cacher les références. On va se mettre en wireframe et. On est aligné, alors pourquoi on est aligné? D'accord. Alors pourquoi du coup? Quand je fais ici un extrude faces along normals. Ah mais oui, mais c'est parce que ce machin est pas en bas. Voilà, c'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Bon. Ça va. Je peux le gérer. Voilà. C'était pas au pied du truc. Donc c'était de la merde. Ok, bon, on va extruder sur les normales. On va prendre nos faces qui sont là. J'ai dit les faces, pourquoi il ne me sélectionne pas des faces? Parce que je suis pas en solide, c'est ça? Ouais, parce que je suis pas en solide. Oh, pour me troll, le mec qui clôt les issues GitHub me met des gifs d'hommes politiques comme si c'était des emojis. Ah bah écoute, hein. Chacun ses problèmes dans la vie. J'ai pas ce problème-là, moi. Tout va bien dans ma vie. Ah, mais. En fait. Voilà. Il va falloir quand même que je mette une toute petite marge.
Je mets une petite marge. Ouais. Toute petite marge. Alors vraiment, on n'est pas sur une immense marge. Boum. Voilà. Sélection. Bon. Ok. Donc toi, je vais t'assigner donc des couleurs qui sont celles du noir le plus absolu. Voilà. Je te fais descendre légèrement le plus possible. Voilà. Toi, tu vas revenir ici. Barracks Body. Hop. Hop. Assign. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir commencer à mettre des petites choses. Des petites choses qui dépassent. Histoire de donner un peu de relief au mur, en fait. Comme si c'était fait un mélange de torchis et de béton, de torchis, etc. Donc la petite caserne et tout. Ensuite, il faudra qu'on remonte un petit peu tout ça. Donc, hop, d'ailleurs, on peut même. Je pense même en vérité qu'on va plutôt. Oh non, ça va être chiant de tout sélectionner au niveau du toit. Je sais pas. On va voir. Pim, 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 pim. Non, c'est bon, on a tout. Bah alors go, c'est parti. On va tout descendre au niveau du toit. Voilà. Voilà. Le gros bâtiment rouge. Alors, ça va devenir. Donc, S. Voilà. On va essayer de mettre un petit peu de déco sur ce mur. Tac. Essayer de faire en sorte que ça ressorte. Voilà. Un peu de l'autre côté. Ça va aller là. Ça descend un peu ici. Voilà. Ça descend encore un peu ici. Hop. Voilà. Peut-être même des pierres un peu trop grosses en vérité. Hein. Parce que si on regarde bien, pas forcément besoin de que ce soit ultra gros hein, en vérité. Hein. Ça peut être aussi légèrement. Ouais, voilà, c'est plus de ce genre de taille-là dont je parle. Et voilà. Donc ici. En fait, ici, là, on peut voilà, le diminuer sur tous ces trucs. Voilà. On va en prendre quelques-unes qui sont là. Voilà. On va en mettre une devant la porte, entre guillemets. Voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est même légèrement faire. Dépasser là. Voilà. Essaye de faire en sorte que ce soit correct au niveau de la compo. Là, personnellement, moi, je vois ça, j'y crois pas du tout. Donc, on va essayer de retravailler ça.
Hop, hop, hop. Voilà. On peut essayer de remettre ça comme ça ici, faire en sorte que ce machin ne dépasse pas. Voilà. Que ce machin dépasse. Voilà. Ici. Et que ce machin soit vraiment au pied du truc. Pareil pour ça. Ça a l'air quand même posé sur son copain. Voilà. Voilà. Et on va quand même les décaler un peu plus. Ce sera plus joli. Voilà. L'arche qui entoure ton cube d'entrée. Ça peut être une chose, hein. Ça peut être en effet. Alors le pire, c'est que je sais les faire, ces fichues arches. Mais je compte faire une porte plutôt rond, en fait. Donc on va voir. Mais en vérité, ouais, c'est vrai que ce serait pas si mal parce que. On regarde une arche. Ça aurait de la gueule. Une arche, ça aurait vraiment de la gueule. Mais alors, dans ces cas-là, si c'est une arche, on va essayer vraiment de la faire avec une régularité. Boum. Boum. Essayer d'en faire un motif un peu régulier. Alors on va essayer de le mettre comme ça ici. Comme ça là. Un peu, ouais. Bah, c'est pas déconnant hein, de faire un genre un peu romain. Qu'en vérité. De toute façon, les casernes comme ça, avec les tuiles rouges et tout, ça fait largement penser à... Ça fait largement penser au style romain, en vérité. Ça fait largement penser au style romain. Du coup, faut que je décale un peu ça quand même, parce que sinon c'est un peu trop près de... Voilà, et peut-être même faire en sorte que ça ressorte pas trop non plus, quoi. Ou même juste aller le mettre de l'autre côté. Si je mets une petite porte en bois ici et que je fais en sorte de faire un peu ressortir la charpente, en vérité, on n'est pas si mal, hein. Alors, du coup, Barracks Body, il va falloir peut-être revoir un peu sa couleur à celui-là. C'est pas non plus incroyable. Ah non, c'est pas beau là comme ça. Peut-être une couleur un peu plus. Je pense qu'on va faire ça en fait, c'est plutôt eux. À qui je vais. Ouais. En fait. La couleur de cet élément-là. Pas non plus que ce soit totalement blanc. Pas totalement jaune ni rien. Ni même la même couleur exacte que. Voilà. Alors, wood, wood 2. Sinon, on a des wood qui sont beaucoup plus wood que ça. Franchement, ça passe. On va juste tout remettre. On va tester avec la composition de. On va. Ah zut! Tous ces trucs-là sont dans StoneRef. Zut. Boum, boum. Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Alors il faut que je les sélectionne. Ils sont dans StoneRef. Ils sont sélectionnés là-dedans. Ouais, voilà. Il va falloir les mettre dans. Pour l'instant, je vais les mettre dans Barracks. Voilà. Maintenant, je vire StoneRef de là. Boum. Et ouais, on va remettre les bannières devant là. Remettre les bannières. Donc, les accessoires. Bannière 1, bannière 2.
Boum, on va virer un des targets demi. Je ne sais jamais lequel c'est. C'est celui-là. Voilà. Et on va, du coup, alors au niveau des épées. Voilà. On va virer donc les targets. Il nous faudrait, ouais, voilà, une porte ici. Une belle porte. Peut-être un peu plus décorer le truc et un peu moins. Et donc, du coup, ici, le toit, alors. Target, alors. Zut. On va tout de suite fixer ça avant que le toit de la du baraque m'emmerde comme pas possible. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que ce machin-là, en fait, tout ça là, ce sont des stones. Donc tout ça là, on va les regrouper, enfin, on va les mettre dans une collection. Voilà, comme ça je peux faire ça bien. Je vais nommer ça Stones. Je vais toutes les mettre à l'intérieur. Parce que j'ai pas besoin d'elles ailleurs. Voilà, je les enlève pour l'instant. Et Roof Body. Ouais, voilà, Roof Body. Donc là, c'est Caserne Body. Caserne Body. Et là, c'est Door Inside. Voilà. Et ensuite, on a dit Roof Body ici. Alors, je vais créer aussi une nouvelle collection pour le toit parce que pour manipuler tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouf. Voilà. Donc, charpente. Ça va là-dedans. Roof body, ça va là-dedans. Tiles 1, tiles 2, ça va là-dedans. Ok. Tiles 1, tiles 2. Ça, c'est où ça? Ah, ça, je ne sais pas où je l'ai mis. Lol. Alors, un peu l'impression que ce machin-là, il est nulle part, quoi. Quelle collection il peut se trouver? Eh ben je verrai après parce que j'ai pas l'impression qu'il soit dans la collection que je veux. Si je cache tout, ah si, il est quand même dans Barracks, ce qui est une bonne chose. Voilà, si je cache ça. Ouais, si je cache Door Inside. Ah voilà, Tiles 2 et Tiles 3, en fait, ils sont là. Voilà. Ok, super. Donc, je peux tout sélectionner du toit. Je peux faire un Caserne Body ici. Faire en sorte que ça se relève. Et en vérité, faire en sorte que ce soit plus la charpente qui se voit ici. Voilà. Mettre un peu plus de bois là. Sur cet espace-là. Faire également en sorte que au niveau des faces intérieures. Alors, tac, tac, tac. On va sélectionner les faces. Alors déjà, on va faire en sorte que ce soit un petit peu moins. Comment dire? Ce soit un petit peu moins à cheval sur tout le reste. Donc on va wireframe. Sélectionner une face. Est-ce que je peux? Non, je peux pas sélectionner cette face-là. Voilà. Donc on va faire un coup de solide parce qu'apparemment le sélectionner ça pose souci. Voilà. Voilà, ouais, les faces sont trop similaires entre guillemets pour être enfin sont trop au même endroit pour ne pas se chevaucher un peu au rendu. Et donc du coup ici toi je vais te détacher. Voilà, donc je vais te nommer Wood Roof Base. On va voir. Voilà. C'est vraiment un jeu de patience. C'est surtout que moi je suis pas doué pour le graphisme. Hein. Donc pour le code, je vais 1000 fois plus vite parce que je sais ce que je fais. Hein. C'est juste ça, vraiment. Il n'y a pas de secret. Là où t'es mauvais, tu prends plus de temps. Et tu fais de la merde. Enfin, tu fais moins bien, quoi. Alors que là où tu es compétent, bah, tout de suite, c'est tout de suite beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Mais je suis pas doué à ça. Je suis pas doué au graphisme, donc forcément, tout prend plus de temps. Ok, donc là on a bien une base de bois. Va falloir vraiment que je fasse en sorte de faire légèrement grossir ma charpente pour éviter le clipping dégueulasse. Et du coup, il y a aussi ce problème, voilà, de... Alors, ce que je peux faire, c'est faire en sorte que ça déborde, mais pas trop en fait. Donc, on va plutôt prendre le Woodroof Base. On va plutôt sélectionner ça. Mais j'ai tellement plus, mais tellement plus amusant, je trouve. Quand j'ai découvert Unity, j'étais en folie de voir tout ce qu'on peut faire avec. Clairement, oui. Clairement, oui. Il y a cet aspect, il y a cet aspect un peu, ouais, voilà, fierté personnelle au fait d'avoir fait son propre truc. Hein, on va pas se mentir. Hein. Ça reste un peu un gage de fierté, quoi. Voilà. Et là, on va remettre du coup les pierres qui donnent un petit peu de trucs. Ouais, voilà. Bon, c'est pas la meilleure caserne du monde. Hein. On va pas se mentir. Ce qu'on va faire, histoire de rajouter un petit peu de... un petit truc gratuit qu'on n'aura pas à modéliser. Poum. Poum. Voilà. Ça, je vais aller... ces deux trucs-là, je vais aller les mettre dans Barracks. Voilà. Je vais virer Army Tent. Voilà. Voilà. Bien savoir quand est-ce que j'arrive. Voilà. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ces petits éléments-là, on va les remonter, on va les centrer. Voilà, on va prendre la base du truc. Wireframe, on va sélectionner tous les trucs et on va le descendre. Voilà, histoire que ce ne soit pas trop non plus trop haut, hein, trop long. On reprend donc tout ça. Boum. On le descend encore un petit peu. Et boum. Voilà. On a un petit drapeau gratuit. Qui n'a pas coûté très cher puisqu'on l'a piqué directement à un autre truc. Il faut que je fasse en sorte de modéliser une porte. Que je fasse en sorte de modéliser des lances. Bref, j'aurais pas fini aujourd'hui en vérité. Hein. Purée, je pensais vraiment que j'aurais terminé aujourd'hui. Mais y a largement plus à faire. En vérité, je pourrais faire un T4 sur cette base-là et revenir derrière. Hein. Parce que j'ai déjà changé les créneaux. J'ai déjà changé le crénelage ici. J'ai déjà changé le bâtiment. Il me faut juste une porte en plus. Ce qui est tout à fait faisable. Ce qui est tout à fait faisable. Une porte, ça se fait. Et du coup, derrière, c'est vrai que... Se retrouver avec... ouais. Et il faut par contre ouais, voilà, que je fasse en sorte de corriger toutes les petites pétouilles qui sont pas belles ici, parce que là, en vérité, je pourrais le faire ici, mais... Non, il faudra que je le fasse au propre, en gros, que j'aligne tous les points qui sont là ici. Ça se verra beaucoup moins que si je fais en sorte de faire chevaucher des choses qui n'ont rien à chevaucher ensemble. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, d'accord, ok. Bon, c'est... Toute une affaire de compromis. Il y a des rendus en fait que que je vais devoir, comment dire, il y a des rendus que je vais devoir entre guillemets plus retravailler. Mais si on prend training dummy, donc training dummy qui est là, le training dummy qui est là, voilà. Si on fait un rendu de ce qu'on a là. En vérité, on est sur une petite caserne. Franchement, il me manque la porte et juste nettoyer un peu ça. Peut-être faire un râtelier avec un mini râtelier ici avec quelques lances. Virer le mess ici ou alors le laisser parce que ça peut très bien le faire. En vérité, ça fait un T4 convenable hein, pour l'instant.
Il faudrait peut-être que je décore un peu plus ou que je salisse ce truc. Et avoir deux petites fenêtres, ça pourrait éventuellement le faire, ouais. Une petite fenêtre ici. Et une petite fenêtre là. Ou alors une seule fenêtre. Tout dépend. Mais en vérité, ouais, ça se fait. Hein. Bon. Bah écoutez. Je vais sauvegarder ça ici. On n'aura pas réussi à faire le dixième de ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est un truc de fou. Je suis tellement lent. Mine de rien, c'est que ça prend plus de temps que ce que je voulais. Bon. Le gros avantage, c'est qu'après, on a plein de petits éléments qu'on peut réutiliser. On le voit bien, il y a plein de petits éléments qui sont réutilisables. Mais bon Dieu que c'est long. Bon Dieu que c'est long. Bon. Bah même chose, même punition que d'habitude, hein. Je vais trouver un endroit où vous envoyer. Alors attendez. On va être. Alors, hier on a été chez. Est-ce qu'on a été. Hier on était chez Baba des Bois ou on était. Non, on n'était pas chez Baba des Bois. À jeudi alors. Oui, bah oui, bonne soirée à toi aussi. Je cherche chez qui vous envoyer. Parce que. Bah, il y a Baba en vérité, hein, développement de jeux vidéo, Baba des Bois. On va aller regarder dans la catégorie développement de jeu, quand même. Il y a Graphic Art en ligne. Ah. Vous voulez aller chez Graphic Art? Bah écoute, pourquoi pas? Après tout. Alors, Graphic Art, c'est parti. On y va, faisons un petit coup. Ah, bah oui, Graphic Art. Bah écoutez. On se dit donc à jeudi. Des bisous. Ciao. Alors, carte. Alors, vous dites au revoir à YouTube et puis après, ciao. Remplacez les composants de base, qui sont de base, par vos propres composants à l'aide de l'option Custom.